Le mois de février, le mois de l'amour. Et cette semaine, je vous le promets, je vais vous en mettre plein la vue depuis ce lundi jusqu'au vendredi prochain. Alors attachez vos ceintures parce que nous allons démarrer avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de senteurs, avec beaucoup de sensations. Tenez-vous prêts. Bienvenue sur Shop & Shop. Voici donc l'arène des meilleures opportunités, des bons plans et surtout des bonnes affaires sur Eden Télévision. Ça se passe comme ça tous les lundis, mercredis et vendredis. On s'est installé et déjà, on va y aller avec le menu du jour. Aujourd'hui, menu du jour pour vous, j'ai une proposition très spéciale. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 10 février, nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Moi, je voudrais vous proposer, cher monsieur, parce que ce matin, je voudrais m'adresser au sieur, cher monsieur. Pourquoi ne pas préparer ce très beau mai à votre partenaire? Ça, c'est pour les messieurs. Proposition spéciale de Shop & Shop et du chef Kenneth. Voici le riz cantonais. Régalez-vous. En tout cas, cher monsieur, je vous en prie, ce vendredi est le vôtre. Je vous propose ce mai pour les dames. Eh bien, ça vous fait quoi de rentrer tôt le vendredi, disons à 17h, et de faire ce beau mai, ce beau riz quand on est sur la table avec madame et une bouteille de vin? En tout cas, c'est une proposition, recommandation spéciale sur Shop & Shop. Alors, si vous venez à peine de nous rejoindre, eh bien, vous n'avez encore rien raté. Nous allons commencer la partie ultime. On va s'installer pour installer nos invités dans le fauteuil d'honorable invité. C'est parti. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous les chefs publicités de la structure ATL Eco SA, représentée ici par Dame Méhanson Aquifa. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. D'accord. Et de ce côté, nous avons Monsieur Fabrice Sounou. Bonjour Monsieur Fabrice. Bonjour Laurette. Comment allez-vous? Super, très bien. Alors ça fait plaisir de vous avoir sur l'arène de Shop & Shop et vous êtes là pour nous distiller de bonnes informations. Alors, vous représentez ici valablement en tant que chef publicité la structure ATL Eco SA. Alors, déjà, dites-nous, ATL Eco SA fait quoi? Alors, ATL Eco SA est un groupe de prestations. D'accord. Au sein duquel nous avons trois entités. Mmh. Nous avons l'entité Novatrist, l'agence conseil en communication, l'entité Éclat, l'agence événementielle et l'entité Pro d'image qui s'occupe de la production audiovisuelle. Waouh, intéressant. Alors,
Depuis quelques années, la structure ATL Eco et ça s'évertue à organiser un événement chaque année pour la Saint-Valentin. Bon, d'abord pour la Saint-Valentin en février et nous sommes déjà proches. Donc, vous organisez la soirée Castel Love Night à l'occasion de la Saint-Valentin. Dites-nous, quelle est la genèse de cet événement? On a vraiment envie de savoir. Alors, depuis 2012, sur sa propre expérience de la Saint-Valentin, le président du groupe a initié Castel Love Night pour permettre aux couples de redynamiser, revigorer et vitaminer leur relation. Wow. Il est vrai que beaucoup de couples vivent leur amour au jour le jour, au quotidien, mais il n'est pas superflu à cette occasion particulière d'y ajouter quelques ingrédients pour un meilleur impact. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé Castel Love Night, qui, mieux qu'une soirée, est un concept divinement pensé, empreint de solennité et implémenté avec cœur pour le bonheur des couples. Ça donne envie d'y aller. En tout cas, moi, déjà, j'ai envie d'aller. J'ai envie de voir de la vitamine sensationnelle. J'ai envie de voir tout ce qui est autour de l'émotion. J'ai envie de sentir l'amour ce jour-là. Déjà, quelles sont les conditions de participation? Alors, Loretta, pour participer à Castel Love Night, il suffit juste de composer un des numéros que nous allons donner tout à l'heure. D'accord. Et lorsque vous appelez le numéro, vous nous donnez votre adresse. Il y a une équipe qui se déplace vers vous avec une liste de poèmes. Vous faites votre choix pour personnaliser le Love Pass. Le Love Pass, c'est la carte d'entrée à la soirée Castel Love Night. Alors, vous choisissez votre poème que nous personnalisons au nom de votre chérie. Chérie avec eux, chérie sans eux, selon celui qui souscrit. Et vous nous envoyez une des plus belles photos de votre conjoint. Oh là là. Le Love Pass est une carte personnalisée. Alors, la carte s'adresse, le poème, pardon, s'adresse directement à votre conjoint parce que sur la carte figurera sa photo. Oh. Vous nous donnez ensuite son contact. Et derrière, une équipe qui appelle votre conjoint, voit sa position, quel que soit le lieu où ce dernier se trouve. Ok. Alors, cette équipe se déplace vers votre conjoint avec une enveloppe. Ok. Au sein de, et à l'intérieur de l'enveloppe, vous aurez une rose parfumée. Oh mon Dieu. Et la carte. Alors, imaginez, vous êtes en train de vous faire Non, j'imagine courses, déjà en fait. Et un service courrier vous appelle. Madame Laurette, vous êtes à quel endroit? Nous avons un courrier pour vous. Bah, je suis sur le plateau de Shop and Shop. Alors, il viendra ici. Il va vous attendre en bas. Et juste à la fin de l'émission, il vous tendra votre enveloppe. Oh, je pense que ce jour-là, je ne vais pas manger. Alors, c'est après ouverture de l'enveloppe que vous allez découvrir à l'intérieur de l'enveloppe votre rose parfumée. En plus, le rose, c'est ma fleur préférée. Et la carte qui vous invite à la soirée Love Night. J'espère que quelqu'un est en train de regarder cette émission est en train d'écouter ce qui est en train de se dire. J'espère vraiment. Parce que ça sera très, 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 très... Très vitaminé, très vitaminé. Alors ensuite. Alors donc voilà un peu comment ça se passe. Ça c'est la première partie. D'accord. La seconde partie se passe le jour de la soirée. Voilà un peu. Ça, qu'est-ce qui se passe le jour de la soirée? Qu'est-ce qui se passe le jour de la soirée? En tout cas moi, je vous donne rendez-vous donc ce jour-là. Et déjà, quand est-ce que ça va se passer? Alors, la soirée Love Night se déroula le jour de la Saint-Valentin. Donc le vendredi 14. C'est-à-dire vendredi 14. D'accord. À l'hôtel Azalaï à 20h20. Waouh! Hôtel Azalaï 20h20 2020. Il n'y a rien à dire. Alors, depuis 2012 que vous avez commencé donc, à initier cette fête de la Saint-Valentin avec un concept déjà très particulier. Mais dans la particularité, il y a quelque chose de spécial cette année. C'est quoi? Alors, communément aux éditions précédentes, il y a le Love Pass, comme vient de le présenter Fabrice. Il y a aussi le Love Apéro. Le Love Apéro, c'est un apéro pas comme les autres. Il est composé uniquement de quilles royales. Il s'agit d'un mélange de champagne avec du cassis. Donc, l'apéro, c'est uniquement ça pour mettre correctement dans le bain de la chose. La sensation. C'est ça. Alors, après l'apéro, nous avons le Love Dinner. C'est... un repas, on parle de l'hôtel Azalaï. Donc bien sûr, on connaît. Les menus 5 étoiles. On connaît, on connaît l'ampleur. Donc, il y aura un menu composé de plats très, très appétissants. Et puis, il y aura aussi le Love Cake Celebration. Love Cake. Love D'accord. Cake Celebration. Il y a un gâteau, là. Un gâteau, là. Exactement. Vous n'allez pas faire ça, il y a un gâteau, là. Il y a un gâteau. Il y a un gâteau. La particularité du Love Cake Celebration est que nous allons reproduire la cérémonie de la coupure du gâteau comme elle est faite au mariage. Alors, nous invitons deux couples dans l'assemblée qui viendront, se feront les vœux
Okay. Et puis, on coupe le gâteau, ils s'échangent les parts de gâteau, puis ils s'échangent la coupe de vin. D'accord. Et en fait, j'imagine un peu comment ça se fait. L'homme prend le couteau et puis la dame tient sa main, ils coupent ensemble. Ensuite, ils coupent une petite part, l'homme donne à la femme et la femme donne à l'homme. Ensuite, ils prennent le verre à champagne et croisent les bras comme ça. Oh là là, mon Dieu, sensationnel. J'imagine que vous y soyez. Oui, bien sûr. J'espère que vous serez présente. Je dois y être, en fait. Et ce n'est pas fini. OK. Alors, comme vous l'avez dit, chaque année, il y a une particularité pour pas que les couples qui sont présents chaque fois, parce qu'il y en a qui sont là depuis la toute première édition, okay, pour pas qu'ils soient déjà vus. Mm-hmm. Donc, cette année, nous avons le Love Game. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Le Love Game, c'est-à-dire un jeu de l'amour. Nous aurons le Love Sketch, je ne vous dirai pas ce que c'est. D'accord, je serai là. Également, nous aurons également le Love Couple Goal. Mm-hmm. Allez savoir ce que c'est. OK. Là, je garde ma respiration. Pour vous dire un peu, je vais vous présenter ce qui s'est passé l'année passée, par exemple. Mm-hmm. Alors, nous avons fait passer une corbeille de poèmes à tous les couples qui étaient présents pour qu'ils en tirent un. D'accord. Donc, on a fait lire à l'un des membres du couple, soit l'homme, soit la femme, selon le couple. Mm-hmm. Et figurez-vous que à 90%, les couples qui ont reçu ces poèmes-là, le poème correspondait à l'histoire de leur relation. OK. Est-ce que c'est une coïncidence ou une programmation de la nature? C'est le karma. Le karma. Donc, c'est pour vous dire que on aura eu des témoignages, vous comprendrez peut-être, oui, ce n'est pas des chimères que nous sommes en train de vous vendre, mm-hmm, c'est des faits réels. Et puis, tous les couples qui ont été présents, toutes les éditions précédentes, ils ont ressenti cette effusion d'amour-là et puis ils peuvent vous le témoigner. C'est une soirée divinement pensée pour le bonheur de chaque couple présent. Avec beaucoup de vitamines. Avec beaucoup de vitamines, soirée vitaminée en amour. Alors déjà, moi, j'ai envie d'y être. Quels sont les contacts? Alors, pour participer à la soirée Castel Love Night, mm-hmm, il vous suffit juste de composer ces numéros. Oui. Le 95, oui, 89, mm-hmm, 24, 69, oui, ou le 69, oui, 35, 84, 76. Super. Alors, vous avez parlé de poèmes tout à l'heure. Et vous savez, moi, je suis vraiment fière de tout ce qui contient de la sensation. C'est romantique. Mais je suis très romantique. Et vitaminée. Mais avant, je vais faire languir un peu mes téléspectateurs. Et on va faire le résumé de tout ce qu'on vient de dire avec cet élément. C'est la Saint-Valentin. Venez vivre passionnément et intensément ce moment à Castel Love Night. Castel Love Night, le seul endroit où vous passez une Saint-Valentin sublimement romantique. Castel Love Night, mieux qu'une soirée, c'est un concept divinement pensé, empreint de solennité, implémenté avec cœur pour le bonheur de votre couple. Castel Love Night à Azalea Hotel, le vendredi 14 février 2020, à 20h précises, dans un idyllique et fascinant décor pour raviver cette flamme qui brûle en vous. Je t'aimais, je t'aime. Castel Love Night, c'est juste magique, à 55 000 francs CFA le couple. Réservation au 95 89 24 69 ou 69 35 84 76. Castel Love Night, un événement ATL & Co SA avec Azalea Hotel et sponsorisé par Castel Beer. Pas une bonne chanteuse, mais quand j'y mets un peu de cœur et avec beaucoup d'amour, je pense que les solfèges sortent. Alors, très beau concept pensé. Avec combien on peut participer à tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a une carte d'invitation personnalisée, il y a un déplacement vers le conjoint ou la conjointe pour aller charger la commission, il y a un love cake, apéro cake, il y a des roses, il y a trop de choses. Vraiment trop de choses. Il y a tellement de choses que je me demande, mais à combien s'élève la participation? Alors, pour participer à Castel Love Night, oui, il vous suffira juste de débourser, mm-hmm, une somme de 55 000 francs. En tout cas, pour moi, pour le couple. Oui, pour le couple, pour les deux. Pour les deux, voilà. Pour les deux, moi, je pense, voilà, quand même que avec tout ce qui est dans le package, avec tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il y a à faire, avec toutes les surprises de cette soirée, je pense que 55 000, ok, je le mérite, n'est-ce pas? Je le mérite, je mérite ça, voilà.
Merci beaucoup. Tout le monde le mérite. Tout le monde le mérite. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais d'un poème. Parce que vous avez parlé tout à l'heure que les couples doivent choisir un poème. Ouais. Je veux voir si ce que vous allez lire va correspondre à mon histoire. Alors, je me donne au jeu. Je m'essaie au jeu, on va dire. D'accord. Je vais vous lire deux petits poèmes. On y va. Je suis tout de suite. Alors, le premier, c'est ceci. Au fil du temps, nous planons ensemble vers un horizon rien qu'à nous. Nous emportant au gré du vent des instants mirifiques avec toi si romantique. Ces instants en or que nous partageons sont et resteront pour nous les plus beaux des trésors. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est pour moi tout ça. En fait, j'ai chaud. En fait. Alors, j'ai quand vous recevez une carte avec un poème comme ça, imaginez alors la suite. En fait, j'ai chaud. Il y a tout mon corps qui tremble et puis je ne sens plus mes mains et tout. Alors, je vais avec le second poème. D'accord. Qui dit ceci. Je te dirai combien tes doux sourires me laissent souvent muet. Oh là là, c'est vrai. Et je te parlerai de ta voix caressante. Son univers, des fées, ses vertus bienfaisantes. Je voudrais t'exprimer de façon explicite pourquoi ton être entier, mon amour, s'y abrite. J'inventerai les mots de la langue de mon cœur, car ceux de mon cerveau ne sont plus à ta hauteur. C'est fini ? C'est tout. Oh, c'est fini ? Il n'y en a pas d'autres ? Silence sur le plateau. Oh, je suis emportée par les flammes de l'amour. En tout cas, merci à cette belle équipe qui organise donc ce beau concept pour vous. En tout cas, je vous demande d'y être. Il suffit juste de débourser la somme de 55 000 francs CFA pour vous et votre conjoint et participer à la soirée Castel Love Night à l'occasion de la Saint-Valentin. Ça se passe donc de l'autre côté de l'hôtel Azalaï à 20h20 ce vendredi 14 février 2020. Eh bien, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Et cette fois-ci, on va faire un dernier détour avec nos chers invités, Monsieur Fabrice Sounou et puis Madame Afrifa Meyansan. Alors, avant de terminer en beauté, j'aurais quand même aimé que vous me disiez un test d'invitation, pourquoi pas. Ok, alors, tu es devenue au fil des jours, non plus seulement ma partenaire, mais également... Pardon. Mais aussi l'autre moi qui vit mes peines et partage mes joies. Alors, comme j'aime, très cher, quand ta voix m'embrase, tu restes et tu resteras pour toujours le soleil levant de mes désirs. C'est pourquoi ce 14 février, je t'attendrai le cœur tremblant. À 20h20, comme un adolescent qui vit son premier amour, à la soirée Castel Love Night à Azalaï Hotel. J'ai réservé une table juste pour nous, pour que nos cœurs batifolent à nouveau. D'accord. Je prenais un peu de temps pour pouvoir revenir. Je pense qu'avoir une telle note d'invitation, franchement, malgré les problèmes qu'il y aura dans ce couple-là. Je pense que ça va rallumer cette flamme. Merci beaucoup à vous, chef publicité de la structure ATL Eco et ça. Monsieur Fabrice, on m'a rappelé les numéros et surtout la date et le lieu. Alors, merci Laurette. Les numéros pour participer à la soirée Castel Love Night sont les suivants. Le 95 89 24 69 et le 69 35 84 76. D'accord. Alors, on prend le rendez-vous vendredi prochain. Alors, la soirée, c'est pour le vendredi prochain, le vendredi 14 février,
à la salle des fêtes de l'hôtel Azalaï à partir de 20h20. Voilà, vous recevez certainement une invitation et si vous la recevez, sachez que vous êtes l'élu de son cœur. Merci à vos chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. Et moi également, j'ai un poème pour vous et bien sûr, c'est grâce à Téléco et ça que je l'ai. Et je vais partager ça avec vous pour vous exprimer tout mon amour et mon dévouement. Chers téléspectateurs, sachez que je n'aime que vous. Et mon amour est précieux comme de l'or. Je pense sans cesse à vous. Partout où je me trouve, vous êtes présent dans mon esprit. Et toutes les choses que j'éprouve ne sont que pour vous, chers téléspectateurs. Bravo. C'était tout. On se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro de Shop & Shop. Merci à toute la régie. Merci à notre Big Realo, Mr. Martis, qui était à la réalisation. Merci également à Didier Guédou, qui est resté au son. Et merci à Frank Voigtan. Non. Je l'appelle Franck Voigtan. Merci beaucoup à Monsieur Voigtan et merci également à tous ceux qui sont de l'autre côté de Glodigbé sur le centre Sievra à la diffusion. On va se retrouver mercredi pour un autre numéro de Shop & Shop. Mais on se retrouve vendredi prochain à l'hôtel Azalaï à partir de 20h20. Vous aurez une rose et une carte d'invitation comme celle-ci. Passez-moi ça, Monsieur Fabrice. Voilà. Comme celle-ci. Si vous l'avez reçue, c'est-à-dire que vous êtes l'élu de son cœur. Bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous adore. Bye.